Aujourd'hui, on continue notre travail d'animation des petits personnages. Donc on est parti. Allons-y. Voilà. Et du coup, allons-y. Alors, Game Asset. Comme ça. Enlever ça. Oh, parce qu'elle m'embête, ma plante. Voilà. Elle m'embête. Ok. Du coup, on a fait déjà 2-3 petites animes la dernière fois. Donc ça, c'est l'anime de Walk, tel que vous le voyez en bas. Vous marchez, vous courez. Et c'est ça qui est beau. Et du coup, alors, va falloir qu'on modifie 2-3 petites choses. Déjà, on va baisser son la musique. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Ensuite, Body Bottom et tout ça, c'est fait. J'ai pas l'enregistrement d'activé. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est parti. Là, en gros, on a commencé par les lions. On avait fait les carnes. Et du coup, il faut qu'on fasse nos amis les petits poissons. C'est parti. Et les poissons, c'est les prochains sur la liste. Alors, je vais juste enlever. Paf. Boum. Lion corps, crinière, machin. Voilà. Et hop. Voilà le poisson. Bien gay. Et du coup, ça, c'est un petit poisson qui marche. Jusque-là, rien de choquant. Allons-y. Donc, en gros, on va réactiver les gizmos. Qu'est-ce que je fais là? Non. Ok, comme ça. Hop. Alors, il va être comme ça. Et là, il va être comme ça. Paf. Et paf. Et là, il faudrait qu'on reprenne... Tac. Ah, voilà. Et là... Ça me choque à quel point le poisson c'est à chaque fois le plus facile à animer. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais pas, c'est clair pour moi dans ma tête. Il faut que je lui fasse faire. Et du coup, comme c'est relativement clair, ça va. Allez, hop, je vais faire ça. Voilà. Alors, allons-y. Hop. On va prendre ça, on va faire Weighted. Paf. Ok, cool, très bien. En plus, là, ça me satisfait assez, même en termes tout con, mais ça me satisfait relativement assez. Alors, juste, on va peut-être, hop, faire une petite clé d'anime pour celui-là, là. Et on va revenir, paf. Hey bro, position. Voilà. Et du coup, ça ferait ça. C'est un peu intense. Peut-être que ici on pourrait le mettre d'emblée ici là.
On fait des triangles, hein. C'est celui-là qui est pas bien. Il est pas bien. Voilà. Peut-être que ça là, c'est pas bon non plus. Ça là, paf. Voilà. Bon, très bien, ça ira bien pour l'instant. Paf, contrôle S. Clac. Alors, le poisson, c'est fait. Paf, clic, boum. Gémeaux. Allez, les gémeaux, c'est toujours un peu complexe. Mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai aucun doute. No doute. Les petits gémeaux, quand ils courent, ça fait ça. Ça fait ça. Dominio. Dominio. Ah, les petits gémeaux, ils ont quoi qu'on peut animer? Ils ont ça et ça. Alors, allons-y. Moi, je pense que ça peut être un truc. On va prendre tout ça. On va faire ça. Ensuite, ils font ça. Ça fait ça. Et hop. Et ça fait ça. Oui. Et ça, ça fait ça. Voilà. Et là, du coup... La problématique, c'est celle-ci. Comment on fait pour que ce soit fluide? Parce que ça bouge beaucoup. Peut-être que ça bouge pas assez dans ce sens-là. Et du coup, là, ça, bon, salut, quoi. Salut, parce qu'il faudrait que ça, ce soit plus loin. Voilà. Et ensuite, il faudrait surtout qu'on prenne les blobs et qu'on regarde leurs curves. Curves! Vous voyez là? C'est pas la même mayonnaise. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on prenne ça à chaque fois, là. Et que soit on fasse un clé d'énigme pour chaque. Ça devrait faire un truc un peu comme ça en fait. Vous voyez? Donc on va rajouter des clés à la fin là. Et on va venir. Tac. Leur donner un peu la dynamique qu'on veut quoi. Hop. Oh, toi non. Toi non. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et en gros, prendre cette clé d'anime là, la copier, la coller ici. Et là, normalement, ça devrait le faire. Voilà quoi. Et là, ce qui pourrait être chouette, c'est de décaler à chaque fois les clés d'anime. Donc, prendre les deuxièmes à chaque fois. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de sélectionner là? C'est les deux qui sont après. Salut, Patoche! Coucou! Comment ça fart? Comment qu'il fart, celui-ci? Comment il pète? Pardon. J'arrête. Voilà. Du coup, on décale un tout petit peu. Et là, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on pourrait décaler une toute dernière fois. Une dernière fois, peut-être. Bon, c'est un peu invisible, hein, ce que je fais. Je suis pas très visible. Hein. Mais bon, au moins, maintenant, ils sont tous un peu décalés dans le temps.
Bah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Mimi, là? Pourquoi toi, t'es ici, en fait? Ah, parce que c'est le mid en haut. Ok. Ok, cool. Salut, Shamrock. Ça va, et toi? Elle est fraîche, ma tomate. Ouais. Allô, Verso! Salut, Shamrock. Salut. Vous avez vu, vous pouvez changer hein, en haut. Je vous ai mis un... Vous pouvez changer votre personnage en bas en mettant point d'exclamation save sign et taureau si jamais vous êtes taureau et verso si jamais vous êtes verso et bélier si jamais vous êtes bélier. Voilà. Faudra juste que je relance l'astrobot pour que ça se refresh. Voilà. Sachez-le. Elle est fraîche ma tomate. Faut pas que tu mettes d'espace Shamrock. Regarde-le là. Minir, ça marche pas, regarde-le là. Et je vais le changer à la main à force. Hein. Je t'ai dit qu'il y avait un espace. C'est pas comme du coup fait en code. C'est ça qu'on m'a dit hier. Et la vérité, c'est que les développeurs, les bons développeurs, ils font les choses pour que ce soit accessible aux gens qui sont pas développeurs. Voilà la vérité. Merde, Shamrock, merde. Merde. Ok. Je m'appelle Peppa Pig. Petit frère Georges. Moi, je développe pour moi, donc on voit les coutures. Mais non, t'inquiète. On s'en fout, c'est pas grave. Et t'avais déjà changé ou pas ton truc, du coup? Parce que t'es pas encore apparu, en fait, c'est ça? Je sais pas encore qui c'est. Ok. Du coup, on en est au petit Gémeaux. Les Gémeaux, c'est terminado pour aujourd'hui. Sortons les Sagittaires. Les Sagittaires qui ont 8 millions de sprites jump up. Les Sagittaires, c'est toujours le personnage sur lequel je passe le plus de temps à animer. Parce que les Sagittaires n'étaient pas contents de leur toté. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Mu? Bah, elle a passé sa vie à refaire le skin jusqu'à ce que tout le monde soit content. Voilà la vérité. Du coup, il y a 8 milliards de sprites. Et voilà, personne ne le dit, ça. Qui le dit? Voilà. Ah mais si, Shamrock, t'es verso. Bah oui. Évidemment. Non, mais elle est con. Elle est con, écoutez. Alors, le wish, ça va être vers le bas. On regarde vers le bas. Regardez, hop, hop là. Et ensuite, quand il fait ça, hop, ça passe tout en haut. Wish, comme ça. Et après, ça fait ça. Wish, comme ça. Et après, là, ça passe vers le haut. Wish, comme ça. Et là, ça saute. Hop. Ah non, ça va. On va voir les petits sagittaires. Oui. Hop. Vous voyez là, on est dans la rapidité, hein. On fait les choses efficacement, nous. Non mais ça suffit, merde hein. Hop, et là, ça saute. Ah oui, là, ça saute bien. Là. Ok. Ça saute bien parce que c'est pas Blob. C'est pas Blob, en fait. C'est le Sagittaire Air. A rotation occurs. Ok. Parce qu'au tout début, il y a une clé d'anime. Et on s'emmerde, et on s'emmerde. Oui. Ok. Ce qui veut dire que potentiellement c'est plus ça qu'il faut faire. Faut descendre. Non. Non. C'est cringe. C'est cringe malaise. Copie. Je colle. Cringe malaise. Ah voilà! Un joli Sagittaire! Oui, coup. Ok. Wouch! Et là, les oreilles. Là, son oreille, là,
voyez, elle fait des délires. Elle fait ça là. Et ensuite elle fait. Wish. Puis. Wish. Même là. Hop. Puis. Wish. Et pendant qu'elle fait ça, il y a l'autre qui commence à bouger. Wish. Et l'autre, elle se remet sur son droit chemin. Voilà, hop. Hop là. Wish. Ah oui, complètement, 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 Shamrock. Mais complètement. Alors, évidemment, hein, c'est une aspiration. Après, quand on regarde les proportions, c'est pas exactement les mêmes. Bien sûr que c'est pas les mêmes. Sinon, ce serait bizarroïde. Mais effectivement, c'est tout à fait... C'est tout à fait la référence, Cult of the Lamb. Quand on regarde les proportions, en fait, j'ai fait un mélange d'Animal Crossing et Cult of the Lamb pour les personnages. Regarde, regarde. Hop, je te montre. Paf. Et là, on voit les proportions des personnages de Cult of the Lamb. Tout de suite, devant vous. Tout de suite. Devant vous. Mais effectivement, c'est tout à fait Cult of the Lamb. Parce que j'adorais, en fait, cette... voyez, cette... comment dire? Cette esthétique très... Ah, j'adore cette esthétique. C'est plus sur les couleurs, moins la forme. Alors, c'est intéressant parce que finalement, le style graphique, en tout cas, c'est quasiment le même. Donc, on est vraiment sur de la 2D avec des lines, tu vois? Avec des lines et tout. Bon, évidemment, les personnages sont différents. Hein, là, ils ont les yeux ronds. Je crois que les adeptes n'ont pas les yeux ronds. Je crois que les adeptes ont les yeux de la même forme que ce que j'ai fait. Et par contre, ils n'ont pas les mêmes proportions. Voilà. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez, j'ai modifié un petit peu comme je voulais, moi, les petits yeux des personnages et tout. Et puis, la proportion entre la tête et le corps, j'ai fait des corps globalement un peu plus grands par rapport à la tête. J'ai repris un peu les mêmes proportions que les personnages d'Animal Crossing, pour le coup. Mais du coup, oui, c'est grave une inspiration et c'est le dessinateur qui a fait la DA de Cult of the Lamb. Je le suis sur tous les réseaux sociaux et trop fort. Hein. Trop fort, point faible, trop fort. Voilà la vérité. Trop fort. Bon, alors attendez. Parce que là, on est en train de... Vous voyez, la petite oreille, elle marche bien, sauf qu'elle est un peu hardcore. du coup, il va falloir prendre ça. Et l'étirer un petit peu parce qu'en fait c'est un peu bizarre. Voilà. Et donc là. Et là pareil, vous voyez la petite oreille là, elle est bien mais. Elle s'emmerde grave. Et on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir de s'emmerder comme ça. Irmide, là, lui. Et la musique, elle a décidé de péter son zob. Elle a pété son zob! Oui, voilà, c'est pas mal, voyez. Hop, on décale encore un tout petit peu. On va faire en sorte que ce soit, hop, plus hardcore même. Paf, comme ça. Et là, ah, c'est un peu trop en retard. Hop. Ça fait bizarre. Ah ! Ouais, c'est pas mal, là. Yeah. Et du coup, j'enlève ça. Et voyez, ça fait les trucs des chevaux. Voyez les petites oreilles des chevaux quand ils font « Ah, putain, les mouches, ta mère !» ils voient une mouche, ils sont là « Ah, gang !» Envie de tout péter. Va chier, la mouche, va chier. Va chier. Voilà. Ils sont comme ça, les chevaux. Et là, c'est vous, les Sagittaires. Voilà. Réel. Moi, j'aimerais être un Sagittaire pour cette raison, d'accord? Parce que j'ai pas arrêté de faire des petites animes de petites oreilles. J'adore les petites oreilles. Oh, mignon, les petites oreilles. Ok, on enlève le fait d'animer, vous voyez. On enlève le recording. Et on va remonter. Paf, on enlève les Sagittaires. Et on prend les Capricornes. Et les Capricornes aussi ont beaucoup de choses. En termes d'animation, c'est long. Pourquoi? Parce que... Merde. Sagittaire de corps de Sagittaire. Merde. Ok, c'est bon.
Et donc les Capricornes qui sont juste là, vous voyez qu'ils ont un petit bandeau derrière eux là. Ils ont un petit bandeau. Ils ont une petite oreille qui fait ah, trop mignon, comme ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Elle est con. Oh, celle-ci, hein. Oh, elle m'énerve, hein. Moi, elle m'énerve. J'espère que ça n'a pas modifié les animations du Sagittaire que je venais de faire. Imaginez, ça effaçait les... Grave pas, c'est pas possible. C'est bon. J'ai eu très peur. J'ai vécu dans la peur. Je me suis dit, oh, c'est pas grand chose, tu peux refaire au pire. Et après, je me suis dit, non, non, je préfère mourir. Non, je suis jamais dans l'excès. Je vois pas ce que vous voulez dire. Bref. Et du coup, donc, il y a plein de choses à faire. Alors, en gros, elle a sa petite oreille qui fait aïe, gou, gou, gou. Elle a un petit cœur au milieu du visage, hein, bien sûr, qu'on peut animer tout à fait, qui est comme ça, là. Ah, trop mignon. Et du coup, ça va se jouer comme ça, là. Hop. En gros, juste avant qu'il y ait ça... Hop. Là, ça, on va le mettre comme ça. Et ça, juste avant, on va le mettre comme ça. Hop. Hop. Il y a un retard sur ces petites oreilles, là, en fait. Hop. Oui. Bon. En termes de timing, on n'est pas bon. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Paniquez pas, hein. Ça va le faire, hein. Ok. Donc ça, on veut que ça aille vers le bas. Youp. Vers le haut. Youp. Vers le bas. Youp. Vers le haut. Et là, il faut reprendre les clés de base. Hein. Les clés de base. Hein. Donc, on va vers... Capri... Capri Bondo. Rotation. On copie, on colle. Voilà la vérité. Et là, on est content du bandeau. Il fait bien n'importe quoi, j'adore. Et du coup, on va prendre le bandeau, vous voyez. Ah, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque, c'est bon, je sais, j'ai solutionné la vérité. Et la vérité, c'est que j'ai solutionné. Et oui, en fait, il suffit de regarder ce que fait le bandeau pour être content. La vérité, c'est ça, en fait. Ok, je contrôle lui. Paf, comme ça. Du coup, là... On est d'accord, c'est tout en bas. Sauf que c'est là, ok. Ensuite, on décale ça ici. Et là, on comprend pas pourquoi j'ai décidé de faire du zèle. Et oui. Parce que la vérité, c'est que ça doit être ici, le zèle. Pas ailleurs. Voilà. Et là... Ouais. Ok. Il est capri ears. Rotation. Hop. Wish. Wish. Ouais, donc en fait, faut que ce soit au minimum là. Ok, et là, la même chose. Oui, oui,
Ok. Il y a deux frames et ça m'emmerde. Ah, je sens qu'il va falloir le faire à la main, celui-ci. Hein. À la curve, hein, j'ai vu Dojira. Intéressant ça. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'on a inversé. Et oui. Et là, du coup. Sommia. Et là, au max. Ou MAX, j'ai envie de dire. Et là. Bon. Il est temps de jeter un œil aux curves. Ok. On va prendre la 1. Voilà. Non, parce que là, c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Non, non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est juste bizarre. Ok. On est face à ça. Qu'est-ce qui pose problème, hein? Déjà, là, ça doit être au MAX. La vérité, c'est qu'en fait, toi, tu pourrais être là. Voilà. Qu'on en aura tous rien à foutre. Et puis, toi, tu pourrais être là. Hein. Vraiment, faut pas hésiter. Hein. Faut hésiter. Hein. Comme ça. Oh là, c'est bizarre. Oh, on s'emmerde. Ok. Pourquoi on s'emmerde? Ah oui, mais parce que l'autre, ok. Ok. Et du coup, là, si jamais je fais ça... Ek. Ouais, en fait... En fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de... J'ai pas besoin de toi. Pas besoin de tes bras. Etc. 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 Gars. Voilà. En fait, on n'a pas besoin de ça non plus. Nique sa mère. Envie de dire nique sa mère. Envie d'exprimer. Ok. Et du coup, là, en faisant ça... Et là, c'est plutôt logique, puisque... Ok. Très bien. D'accord. Mais la merde qui? La merde qui? Qui la merde? Je vais ouvrir la fenêtre. Non, je vais ouvrir la porte. Le chien, il veut sortir. J'arrive. Merde. Merde. Aïe, aïe, aïe. Moi, je fais le pari que d'ici moins de 5 minutes, mon chien redéfonce la porte. Et je prends qui veut au pari, d'accord? Très bien. Non, parce que là, c'est quand même très grave. Chien nul. Ok. On peut dire que c'est un peu comme ça là. Bon, et puis il y a le deuxième qui nous emmerde la vie, voilà, qui nous emmerde la bite. La bite est emmerdée. Parce que c'est une courbe bizarre là, on s'emmerde, voilà la vérité. La vérité c'est que ça marche bien déjà, mais c'est juste que je suis insatiable. Je suis insatiable, il faut que ce soit parfait. Sinon, je suis pas contente. Bah. Alors. Alors, on va regarder tous ensemble. Ouais, ça fait un chouic. Genre là, ça fait. Comme ça.
Ouais, c'est plus loin. Ouais. Ok. Je dois quand même confesser que j'aime bien ton stream. Ça fait plaisir, même si je comprends rien de ce que tu fais. Merci beaucoup, Shamrock, ça drop. En gros, je fais des clés d'animation. Alors, c'est un peu compliqué, c'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Tout est mathématique. Voilà, j'ai expliqué. Au revoir! Non, quand on parle par exemple du rebondissement de cette petite oreille, tu vois, en fait, on parle de plusieurs axes. Donc, en fait, on parle de plusieurs axes en 2D, en 3D. Un axe X, un axe Y et un axe de profondeur qui est le Z. Ça, on l'a vu un peu tous en maths. Ok. Je fais l'animation 2D, ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas d'animation en profondeur, en tout cas pas dans cette scène-là, parce que j'utilise pas la profondeur. Moi, j'utilise que deux plans. Voilà, c'est deux plans, c'est ce cap, c'est ce carré. Là, vous voyez ce petit carré autour de moi, c'est un plan. Voilà. Moi, vous me voyez pas à travers l'écran. Je peux faire ça, et c'est comme si j'étais animée sur les côtés de votre écran. Vous pouvez pas. Vous voyez, si jamais je tends ma main, vous pouvez pas me serrer la pince. Voilà. À partir du moment où on a ces deux axes-là, on se rend compte que là, par exemple, moi j'anime la rotation sur Z. Voilà. Et si j'animais la rotation sur X, ça ferait ça. Donc moi, j'anime pas la rotation sur X, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Bon. Et la rotation sur Y, alors, me dira-t-on? Eh ben, c'est comme ça. Et donc, je ne l'anime pas non plus. Moi, je fais que des rotations là sur Z. Et c'est cette sinusoïdale. Et oui, parce que chaque valeur qu'il y a juste ici, qui forme cette courbe, c'est une valeur de rotation de notre objet. Voilà. J'adore le... Mais toi, tu as mérité ton Théo, toi. Tu vas réfléchir 10 minutes, hein? Il va réfléchir 10 minutes, lui! Ok, attendez. Et donc... Comme tout mouvement d'animation, comme tout mouvement d'animation, un beau mouvement d'animation, c'est un. Oh mais c'est pas possible, Shamrock! Mais faites plus effort, putain, il y en a marre! Oh putain, c'est pas possible. Je refuse, hein? Je refuse! On parle. Non mais c'est pas possible! Et donc, vous voyez comme c'est une animation qui loupe à l'infini. Parce que là, si jamais je vais au-delà d'une seconde trente, on pourrait croire qu'il n'y a plus d'animation. Mais en fait, si. Parce que vous voyez que c'est une animation qui loupe à l'infini. Et du coup, je veux faire en sorte que les points qui sont là et ceux qui sont là, ils fassent une belle courbe qui ne soit pas saccadée. Pourquoi? Parce que si jamais je fais ça, vous allez tout de suite le voir. Vous voyez? Ça fait ta! Ta! Comme ça. Ça se voit un peu moins avec cette oreille-là qu'avec l'autre, qui pourrait être plus démonstrative, par exemple, si jamais je fais ça, là. Voilà. Là, vous allez voir... Ah! Ah! Comme ça. Vous voyez? Voilà. Et donc, oui, effectivement, tu peux sauvegarder le skin de Bélier, si tu veux, Naokim. De toute façon, là, pour l'instant, t'es pas encore apparu, alors que t'es censé être un Lion, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et du coup, voilà, bref, c'est ce que je fais. Je fais de l'animation. Et l'animation, comme beaucoup de choses en 3D, bah, c'est des maths. Et du coup, faut juste vérifier. Quand vous avez une anime qui paraît un peu bizarre, vous allez sur ce genre de choses-là, dans les courbes. Et vous vous rendez compte que, par exemple, ici, la continuité est un peu étrange, vous voyez. Ça fait pas quelque chose de net. Du coup, vous pourriez faire ça. Et puis de l'autre côté, revenir, hop, faire ça là. Que ce serait pas dérangeant en fait. Ce serait pas dérangeant, voire. Voilà, ça ferait en sorte que votre petit bandeau là, il soit bien. Voilà. Promims le bélier. Oui. Promims. Allez, j'attends! Oui, vous pouvez utiliser un skin hein, autre que votre signe qui sera lui enregistré en tant que votre signe officiel. Mais vous pouvez utiliser un skin si jamais vous préférez
un ou l'autre des skins qui sont à votre disposition. Alors pour le Capricorne, vous voyez que moi je vais pas modifier les petites cornes qu'il y a derrière. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucun intérêt à modifier les cornes de derrière. Ces cornes au Capricorne, elles sont pas censées bouger. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste animer son petit cœur qui est là. Les natifs qui travaillent ce mardi brilleront mille feux. Mais tu veux pas t'inscrire en tant que lion, ouais ? Plutôt. Enfin bref. Après, je dis ça, j'ai rien. Et du coup, voilà, comme ça, paf. Et là, de l'autre côté, hop. Yo. Yo. Et vous voyez, là, il y a le petit cœur qui bouge. Voilà. Un petit cœur. Non, je veux pas m'inscrire. Merci, madame. Merci d'avance. Hop, je vais remettre visible ça, et on va prendre ça, et on va faire la même chose que pour les autres choses qui l'animent. Alors, faut savoir que, ouais, tous les trucs que j'ai... Tous les sprites, là, ils ont tous été rigués, skinés, ma bite on the commode, et du coup, c'est un peu l'ambiance, quoi. Voilà, vous voyez, il y a des petites feuilles. Voilà. Le Capricorne, c'est une petite plante. C'est une petite plante. Il est trop choupi, Capricorne. J'adore. Alors... J'ai envie de jouer Animal Crossing, ça y est. J'ai déjà joué tout ce matin. C'est pour ça que je suis en retard. Oh, OMG. Ok. Et pareil pour l'autre feuille. Feuille. Tac. Et en gros, moi, je fais des sinusoïdales, mais qu'on soit d'accord. La forme de la courbe, elle dépend de qu'est-ce que fait votre objet. Par exemple, si jamais je voulais faire en sorte que la feuille, elle rebondisse. Vous voyez, elle rebondisse sur un sol. Plutôt qu'elle fasse oui ou, comme moi, ce que je fais. Elle pourrait faire j'boing. J'boing, j'boing. Et dans ce cas-là, ma courbe, elle serait clairement comme un j'boing boing. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donnerait. Par exemple, si jamais je devais faire ça sur... qu'est-ce qui serait le plus démonstratif, là ? Les petits cheveux. Les petits cheveux devant, vous voyez ça, là ? Les petits cheveux. Donc, common... oui, voilà. Common hair, voilà. Si jamais je voulais qu'ils rebondissent, et ben clairement, sur ma courbe, je ferai en sorte qu'ils rebondissent. C'est-à-dire que je les mettrai en broken. Ce qui veut dire qu'en fait, là vous voyez la tangente des deux côtés, elle est liée. Hein. C'est la même courbe, ok ? Si jamais je mets en broken, vous voyez que je peux décaler l'un ou l'autre, ok ? Et comme une balle qui rebondit, exactement comme une balle qui rebondit visuellement, vous allez faire quelque chose comme ça, si jamais vous voulez quelque chose qui rebondit. Donc hop, on va broken ici aussi. Et là, par exemple, on va mettre en mode play. Et alors, je sais pas si ça se voit beaucoup parce que, évidemment, les valeurs d'animation sont extrêmement faibles. Merde. Beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, montre! Tac, 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 tac. Et voilà. Et donc là, vous voyez, ça peut être une animation que j'ai envie de faire, celle-là. Elle est pas bête, je veux dire. Vous voyez, le fait que le pendentif, il rebondisse et puis il se cogne, et puis il rebondisse contre quelque chose de dur, et du coup, bah, il peut pas continuer dans sa course. C'est tout à fait une animation qu'on a potentiellement envie de faire. Seulement, il faut faire des choix, du coup, par rapport à, justement, ce qui paraît le plus logique. Et globalement, c'est ce qu'on apprend en animation. Donc souvent, on apprend, par exemple, sur mon truc d'avant, qui est tout à fait neutre et tout rond, là, comme ce que je vous ai montré. Donc là, c'est comme ça qu'il était juste avant que je le modifie, je crois. Voilà. Et là, vous voulez rajouter du retard.
Donc, soit vous prenez vos petites clés là, et puis vous les décalez un petit peu, si jamais il est au bout de la chaîne, par rapport à la, au chaînon juste avant. Soit vous pouvez prendre votre curve, qui est juste là, la tangente, et vous mettez un tout petit peu de retard comme ça. Et en fait, en mettant du retard comme ça, vous dirigez l'animation plus vers la droite. Donc vers... occidentalement, la droite, c'est le temps qui s'écoule, ok? Donc c'est un peu après dans la timeline. Et du coup, vous mettez du retard. Et par exemple, on peut genre avoir un petit retard comme ça qui se met en place, tranquillement, doucement, à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc moi, je vais laisser comme ça, parce que de toute façon, qu'il y ait un point qui soit ici, ou un point qui est là avec du retard, ça change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul bone sur ce que je suis en train de vous montrer. Vous voyez ? Et en réalité, si jamais je voulais vraiment vous montrer correctement, je prendrais ça. Voilà. Et là, vous voyez, c'est aux mêmes endroits. Donc en fait, on peut voir que les clés... Non, elles sont pas aux mêmes endroits. En fait, j'ai menti. PTDR. Ouais. Ok. Du coup, here, numéro 2, elle pourrait être là. Et on va lui mettre du retard. On va lui mettre du retard. Donc vous faites F hein, pour mettre au bon endroit. On va lui mettre du retard, donc on fait juste exactement ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire ça, ça et ça. Faites attention aussi à ce que ça ne modifie pas la continuité de votre courbe. Hein. Et en faisant ça, et ben vous avez rajouté un petit peu de vie, en fait. Un petit peu de retard. Et ça paraît tout con, mais il y a un nombre de petites règles comme ça en animation qui donnent de la vie à quelque chose sans même que vous ayez besoin de réfléchir. Wouh, du texte. Par exemple, avant de faire quoi que ce soit comme mouvement, sachez que vous anticipez. Sachez qu'avant de mettre un coup de poing, par exemple, vous allez faire ça. Vous voyez ? On pense directement qu'on va faire ça, là. Mais c'est pas naturel. Les gens, ils font ça. Vous voyez ? Ils ramènent et ensuite, ils donnent le coup de poing. Ça, ça s'appelle l'anticipation. Et donc, avant de faire un mouvement brusque, un personnage d'animation... Et même un être humain, en règle générale, faites attention à vos gestes à vous, vous verrez que c'est hyper intéressant. Mais avant de faire un mouvement, vous faites une anticipation avant le mouvement. Voilà. Et donc, en rajoutant un peu d'anticipation à vos animations, sachez que ça va rajouter beaucoup de vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ou qui ne le... Enfin, vous savez, ça fait partie des choses qui sont quasiment invisibles. Et une fois que tu l'as fait, t'es en mode putain, mais c'est vrai que ça change tout quoi. Voilà. Pareil pour le squash and stretch, je vous ai déjà montré un petit peu hier en faisant l'animation de ce personnage, mais voyez le pouic pouic qu'il a, très léger, très très léger, c'est vraiment très léger, c'est ça là. Vous voyez ? Ça fait un très léger pouic. Et ben ça, pour les personnages d'animation, c'est trop cool. Voilà, ça va tout changer. Attention par contre au squash and stretch, le pouic pouic, à pas le faire trop intense, surtout si vos personnages sont petits. En fait, on se rend pas compte, mais par exemple, vous voyez beaucoup plus le squash and stretch sur mes personnages qui sont là. Vous voyez, à mon niveau là, ils font comme ça. Alors qu'en vrai, quand vous les regardez en grand, évidemment que ça se voit quasiment pas. Plus vous le voyez en grand, moins ça se voit. Ok ? Bref. Tout ceci est Andy. On est pas mal avec le Capricorne. Voilà. Donc, est-ce que ça a un tout petit peu clarifié ce que tu comprenais pas, Shamrock ? Ou est-ce que vraiment c'est trop flou et nique sa mère ? Là est la question. Si jamais c'est le cas, hein, tant pis, c'est pas grave. Ouais, j'aurais essayé. Corps Taurus. Voilà. J'essaye de vous expliquer vite fait l'animation. C'est toujours mieux d'apprendre en faisant, bien sûr. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est que vous voyez le bone qu'on a bougé juste avant, tac, qui est là. Il s'appelle le common hair, donc les cheveux communs. Sachez qu'il y a une grosse partie des sprites qui sont skinnés.
à ce bon. Et du coup, ce qui fait que là, en animant pour le Capricorne, j'ai animé pour le Taureau. Et du coup, j'ai pas à faire cette animation. Et c'est comme ça qu'on va optimiser la 2D dans les jeux vidéo. Ok ? Voilà. Bon, là, on va évidemment animer les petites oreilles de notre pote le Taureau. On va faire juste ça, hein. Paf. Ouch. Là, on voit que c'est dans l'autre sens, évidemment. Paf. Oui, 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 oui. Voilà. Tac, dans l'autre sens, encore une fois. Ça va être beaucoup cette oreille qui va bouger, il va falloir faire attention à ça. Et là, de l'autre côté, à nouveau. Ok. On va directement s'intéresser à nos courbes, sans même mettre la play, parce que on voit bien que ce sera plutôt ok, mais en fait c'est juste que, voilà. Du texte, c'est que j'ai fait les Sagittaires juste avant, je suis trop contente des Sagittaires, comme d'habitude. Et les Sagittaires, c'est vraiment le personnage que j'adore animer, hein, vraiment, ça délire. Je te jure. L-I-R, et là, la R-I-R, ça va être la même chose, je suppose. Voilà. Ok, attention. On est les best. Vous êtes fort. Bravo. Bravo, bravo, bravo. On va se mettre comme ça, en fait. On va supprimer ça. Ça me satisfait pas, hein. Comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué. On va prendre ça et on va coller ça ici. Ça rebondit vraiment beaucoup. En même temps, je crois que c'est hop ça qui me satisfait pas. Donc on va remonter. Voilà. C'est toujours plus intéressant pour moi, en tout cas, d'avoir une animation qui est plus intense aux extrémités que à l'origine du truc. Vous voyez, quand vous bougez votre épaule, vous la bougez pas comme ça. Vous voyez, vous la bougez un petit peu, ce qui entraîne le mouvement beaucoup plus important de votre avant-bras, ce qui entraîne le mouvement beaucoup plus important de votre bras puis de votre avant-bras. Vous voyez, donc en fait, c'est l'extrémité qui va le plus bouger. C'est pas l'épaule, ok? Donc là, mon épaule, c'est un peu la base de mon oreille, qui est là. Et on va juste baisser un tout petit peu l'intensité de ce qu'elle fait. C'est vraiment n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Hein, je reconnais. Alors, évidemment, la même chose pour ce côté-là. Là, par contre, le fait que ça aille aussi loin, c'est plutôt intéressant. Tac. Mais c'est encore une fois la nature même, la source. La sauce qui va être un peu bizarre. Donc là, c'est pas mal. Vous voyez, ça bouge un petit peu mieux. Okay. Allons sur le retard. Donc par exemple, hop, on va prendre ceci. Comme d'habitude, on va coller à l'origine. Et vous voyez là, hop, on va rajouter un peu de retard un peu partout. Et comment on fait? Alors, vous voyez là, je rajoute du retard aussi ici. Vous voyez que ça coupe ici. Hein, ça coupe. Donc, on va rajouter du retard ici, puis du retard là. Hop. Et puis ici, on va simplement venir coller notre hop clé d'anime ici, et on va faire en sorte que ça se relie bien entre eux. Voilà. Et donc là, cette petite oreille est trop mignonne. J'adore la petite oreille. Mignonne. Ok, cool. De l'autre côté, pareil. J'aime bien le fait qu'elle soit vraiment plus intense, elle. Donc on va baisser, hop, hop, hop. Ok. Hop, du retard s'il vous plaît. Merci. Paf. Oui, oui. On va pas tarder à faire la pause. La pause où vous vous étirez, hein. Vous faites les étirements avec Joël, hein. C'est important, hein. Vous êtes bien après. Vous vous sentez mieux. Vous savez que vous vous sentez mieux. Non, c'est pas une secte ici.
Non. Et avec nos méthodes, ben on a déjà terminé avec notre ami le taureau. Et du coup, on va passer au Verseau. Voilà, Shamrock qui est en mode, putain, les Verseaux, de fou, là. De fou, de fou. Moi, je vais être là, oui, 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 Shamrock, oui, c'est bon. Oh, celui-ci, hein. Voilà. Donc, vos petits Verseaux, les petits Verseaux. Les petits poissons, les petits poissons. Ok, cool. Tac, qu'est-ce qui est rigable dans les petits Verseaux? Absolument tout, au secours. Classique. Classique, vous savez. Vous savez que c'est classique. On active l'animation et on est parti. Hop. Pour les petits Verseaux. Oui. Mais eux, ils ont un retard de fou sur leur petite oreille. Paf. Moi, j'adore les petits Verseaux pour cette raison. Parce qu'ils ont les petits retards sur les petites oreilles. Oh, c'est très mignon. C'est trop choupi que ça. Ah, elle choupie. Elle choupie. Regardez ça, quoi. Hop. Alors, évidemment, elle a l'air un peu... Il a l'air un peu bloqué, quoi. Hein. On sent que les petites oreilles, c'est chouette, mais... Quand même, si jamais ça pouvait être plus intense à ce niveau-là, on dirait pas non, quoi. Alors évidemment, on va désélectionner ça, là. Ah putain, comment je fais pour désélectionner, déjà? Merde! Elle est nulle! Elle est nulle! Nulle, bouh! Remboursez! Remboursez le stream! Ah, hop. Pas comme ça. C'est quoi que je bouge, là? Oh, sa mère! Je suis en train de bouger les taurus R! Ah oh, bah oui, bah, faut pas bouger ça, hein, monsieur. Ah. Bah, frérot. Ah oui, d'accord, ok. Il est complètement con. Ah, j'ai compris. Non, j'ai compris. Ah, c'est bon. Cringe malaise. Oh, the cringe malaise. Ok, cool. Aquarius. Oui, c'est comme ça qu'on dit Verseau. Alors, tac, là on va mettre un peu de retard, voilà, hop, tac. Tac, boum, tac, boum. Ah mais non, mais je suis trop con, c'est vers le bas. Elle est trop con. Elle est trop con, elle est trop con. Aidez-la, aidez-la. Ok. Et là, le petit retard qui met bien. Peut-être un peu plus intense, le retard. Allons-y. Oui, on va un peu exagérer, hein. On est là pour... Le bout des oreilles, c'est un peu le truc qui est un peu rigolo et qui peut bouger dans tous les sens. Vous voyez que là, par exemple, en haut, on peut effectivement aussi bouger ça à la hausse. Sans que ce soit choquant. Tac. Pas que ça se plie trop, que ça se casse trop, mais... Tac. On pourrait aussi décaler les petites oreilles, hein, les unes à côté des autres. Par exemple, faire en sorte que ça et ça... Ça se décale un tout petit peu, paf. Avec ça, là... Oui, oui, ouais, super. Allez. Et hop, un tout petit peu là. Et du coup, vous voyez, en ayant décalé un tout petit peu les oreilles, en ayant décalé les trucs, en ayant mis un peu de retard, on a des oreilles qui font bouip bouip, et c'est rigolo. Et on a fait ça un peu sans réfléchir, vous voyez, parce qu'en fait, c'est des lois d'animation. Donc vous pouvez faire ce genre de choses-là sans trop réfléchir à ce que vous faites, c'est ok. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de ah waouh comment je vais faire pour oh là là non oh non tout va bien calmez-vous là par exemple j'aimerais que paf lui là vous voyez ça va être aussi beaucoup important pour nous là ça va être le plus bas possible.
Ok. Regardons sa petite coulée d'eau. Bref, petit à petit, c'est pas mal. Vous voyez que là, à l'origine, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. On voit que le water 1 est très intense. Faut peut-être regarder pour que... Pour que ça aille plus bas. Tac. Après, les deux autres suivent pas et du coup c'est un peu compliqué, mais globalement prendre ça là, c'est en dessous. Ok. Et après on va baisser un tout petit peu l'intensité de cette courbe, qui donc se ramène beaucoup, mais par contre surtout est beaucoup lancée. On va faire en sorte qu'elle soit un poil moins lancée. Un peu trop... Et peut-être un peu trop lointaine, vous voyez. Hop. On va prendre ça. Attention, hop, elle se ramène. Mais par contre, quand elle s'éloigne... c'est pas ça hein, qui a le plus d'impact. Hein. On voit bien que c'est le premier, hein. C'est le premier qui a le plus d'impact. Et que là, si jamais je fais ça, ça change absolument tout, quoi. Donc on va faire comme ça, le water 2, on va peut-être faire en sorte que ce soit un poil plus intense, on va mettre du retard, c'est parti. Et très certainement que vous voyez là je mets du retard sur celle-ci et la dernière il va falloir que je la décale dans le temps. Et je mette du retard aussi, parce qu'en fait y a pas, c'est pas qu'une question de... Enfin faut juste pas que les courbes soient les mêmes en fait, elles se superposent. Et du coup, je peux accentuer encore plus le retard. Ou je peux décaler carrément les points dans le temps si jamais ça me paraît carrément infaisable, quoi. Donc par exemple, je peux encore augmenter le retard. On voit que là, la vague, elle est encore plus intense. Et c'est sûrement ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, quoi. Et voilà. Et là, ça fait un jouic-bouic. Regardez-moi ce petit verso, c'est trop mignon. Il est trop mignon. Ok, on sauvegarde. On est pas mal. On va, hop, enlever le corps. On va passer au bélier, si je dis pas de bêtises, oui. Le bélier. Le bélier. Et voilà. Je vous laisse vous inscrire potentiellement pour l'horoscope qui aura lieu dans 5 minutes. Je reviens, on va... commencer l'animation de notre ami le bélier. Vous voyez qu'il est quasiment tout fait déjà parce que quoi, les petites cornes sont évidemment riguées sur le même bone que d'habitude, c'est-à-dire celui du milieu que vous voyez juste là. Et oui, et du coup ça a amélioré pas mal de choses. On va contrôle S, je vous mets là le moment de pause, en fait la scène de pause avec Joël. Je vous laisse faire vos étirements si jamais vous en avez l'envie, sinon je reviens dans moins de 5 minutes. Allez vous chercher quelque chose à boire, buvez de l'eau. Buvez un petit café, prenez-vous quelque chose à grignoter. Et je reviens dans moins de 5 minutes. Inscrivez-vous si jamais vous voulez à l'horoscope du matin, si jamais vous en avez l'envie. À dans moins de 5 minutes, salut! Bonjour tout le monde, bienvenue à votre séance de 5 minutes pour réveiller le corps entier. Alors on commence par planter les deux pieds au sol et on balance le haut du corps de droite à gauche. Vous pouvez vous donner quelques petites tapes dans le dos, vous pourriez plier un petit peu à travers les genoux, ces mouvements sont tous les vôtres ce matin. Nous allons en faire 10 de 30 secondes chacun pour arriver justement à nos 5 minutes. Relâchez ce premier mouvement, roulez les épaules vers l'arrière et commencez à nager vers l'arrière avec un bras et ensuite l'autre. Suivez ce mouvement avec votre regard, impliquez la nuque, pliez un petit peu à travers les genoux. Mouvement pour le corps entier. Et vous
vous êtes libre d'aller à votre rythme, aucun besoin de me suivre exactement. Le but est de vous sentir bien à la fin de ces 5 minutes. Et super, on peut relâcher. On fera des chavaches debout. Alors en inspirant, on ouvre les bras de côté et on expire pour toucher les côtes ensemble devant le corps. Et je vous rappelle que ces mouvements sont les vôtres. Vous pourriez ralentir, aller au rythme de votre souffle, articulant cette colonne vertébrale. Et relâchez. Amenez maintenant votre genou droit vers la poitrine. On commence à allonger et à fléchir ce genou. Alors, petit défi d'équilibre, fixez un point stable devant vous avec les yeux. Serrez les fessiers et les abdominaux. Replantez le pied, deuxième côté, genou gauche qui se lève et qui s'allonge avant de se replier. Vous pourriez garder ce pied gauche fléchi. On repousse bien le pied droit contre le sol. On y est presque. Et on replante ce pied, bravo. Commencez à tracer maintenant des cercles avec les hanches. On va bien en avoir besoin de nos hanches aujourd'hui. Rotation petite ou grande, lente ou rapide. Et on change de direction. N'oubliez bien sûr pas de sourire dans tous ces mouvements. Et ça suffit. Maintenant, commencez à repousser votre talon droit derrière vous. Petit mouvement en gardant cette jambe bien allongée. On réveille les fessiers. Petit mouvement, petite diagonale ici. Deuxième côté, jambe gauche reste allongée alors qu'on repousse ce talon en petit mouvement derrière nous. Encore un défi d'équilibre, vous l'avez constaté. Et ensuite, grand pas en diagonale en arrière avec le pied droit. On plie le genou droit, on garde la jambe gauche allongée et petite pulsation ici pour réveiller les adducteurs. Alors, un tout petit mouvement ici, on le ressent dans l'entrejambe. On change de côté, la jambe droite reste allongée, le genou gauche se plie. Si vous n'étiez pas déjà réveillé, je suis sûre que c'est le cas maintenant. Bravo! Et on revient. Super. Commencez à soulever maintenant les talons et à les replacer. On réveille les mollets et les pieds. Vous pourriez même ajouter un mouvement avec les bras en les ouvrant de côté, par-dessus la tête. Tous ces mouvements seront peut-être un petit peu plus difficiles la première fois, mais si vous revenez régulièrement à cette séance, le corps prendra vite l'habitude. Et pour le prochain mouvement, on fait un grand pas de côté, on plie ce genou et on touche les orteils du pied opposé avec les doigts. Alors, grand pas vers la gauche, on touche le pied gauche avec la main droite. Grand pas vers la droite, on touche les orteils droits avec la main gauche et on continue. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout de suite compris. Vous pouvez ralentir, vous pouvez y revenir. Séance est conçue pour être courte et efficace. Et pour le dernier mouvement, redressez-vous à nouveau sur les doigts de pied. On garde les talons élevés. En restant ici ou en marchant en place. Mouvement pour le corps entier. Dernier défi d'équilibre. Les abdominaux et fessiers toujours bien serrés. Peut-être que vous dansez un petit peu sur place. Du moment que vous vous amusez, c'est tout ce qui compte. Et c'est fini, on fait un grand étirement tous ensemble du corps entier. Je vous félicite, je vous remercie. Je laisserai un lien sur l'écran pour une autre petite séance similaire de 5 minutes si vous aimeriez un petit peu plus ce matin. Et très belle journée à tous. Merci Joël, c'était super, merci Joël. Bon les enfants, l'heure a sonné pour l'horoscope. Putain, quel enfer. Je peux mettre Drostatus. Oui, le tirage est activé. Putain, mais state.
Bon, écoutez, moi je pense que c'est un peu, voilà, un peu la baise, hein, j'ai envie de dire, un peu la baise. Hein. Bon. Ça suffit. Stop. J'en ai marre. On va faire l'annonce. Et c'est parti pour le tirage au sort du jour pour l'astrologie. Je pense qu'on n'aura qu'un seul signe aujourd'hui. Le premier signe à être tiré au sort, c'est le Verseau. Et vos Verseaux. Et je crois qu'il n'y en a pas deuxième. Et oui, il n'y en a pas de deuxième. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement inscrire les Verseaux. Voilà, les Verseaux. Vous avez encore peut-être une minute pour vous inscrire. Vous avez jusqu'à 12h15 et après, je ferme le tirage. Et nous partirons sur les Verseaux tranquillement. Voilà. Un petit classement pour se mettre bien. Un petit classement. Allez, pour se mettre très bien. Voilà. Les Béliers sont derniers. Les Verseaux sont premiers. Putain, le top 1. Le top 1. Le top 1 du mec. Ah, la dinguerie. Comment on s'ajoute déjà, j'ai oublié. On fait point d'exclamation à l'eau. Et avec marqué Sagittaire après. Si jamais tu veux inscrire les Sagittaires. Si tu veux, je peux t'inscrire. En vrai, si jamais vous voulez, tu peux me dire inscris-moi. Et j'ai un bouton pour le faire. Voilà, je peux le faire aussi. Voilà. Bon bah du coup, le deuxième signe à être tiré au sort. Le suspense, c'est insoutenable. Hein. Allez, Sagittaire. Quel enfer. Les premiers signes, c'est les Verseaux, les deuxièmes, les Sagittaires. Pour aujourd'hui, il est 12h15, je ferme le tirage pour le jour. Draw off. Hop. Et nous sommes partis pour notre horoscope du jour. Elle consulte les astres, mais ses prédictions sont un désastre. Carole. Ses mensonges avec passion, elle dit que tout ira bien. C'est du vent, du gros baratin. Dans son monde astrologique, la réalité est bien cynique. Carole, tu nous mens, tu nous tends, mais tu ne nous entends pas. Allez, on se réveille, on se réveille. Ses préjugés sans se soucier de blesser. Carole, reine de l'absurde, dans ses constellations on se perd. Carole, tu nous mens, tu nous tends, mais tu nous entends pas. Mais au fond derrière ses voix, Carole cache ses émois. Peut-être un cœur qui bat le chemin sous cette façade si malade. Carole, tu nous mens. Ce qui me permet, eh oui, de vous souhaiter la bienvenue pour cet horoscope du jour, celui du mardi 4 juin, en notre compagnie, bravo, bravo à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juin et c'est la Sainte Clotilde, bonne fête à toutes les Clotildes. Aujourd'hui le soleil se couche à 20h50, ce serait bien si vous sortiez avant pour ne pas vous retrouver dans l'obscurité. Nous avons gagné une minute d'ensoleillement aujourd'hui et là l'heure du coucher du... Ah putain, je viens de le dire, c'est 21h50, ça va vous? Moi ça va. Nous sommes la 23e semaine de l'année et ce soir c'est le dernier croissant de lune, voilà. Le dernier croissant, comme quand vous allez au boulanger un peu en retard. Eh oui, tout à fait. J'ai bu mon petit café, on est bien, la petite tasse est contente, je suis contente et aujourd'hui nous allons assister à l'horoscope des signes suivants. Nous ferons d'abord les Verseaux et puis les Sagittaires, les Verseaux d'ailleurs qui sont top 1 sur ce classement du jour, suivi des Taureaux en deuxième et des Lions en troisième. L'affinité du jour se joue entre les Verseaux et les Taureaux, on leur souhaite à toutes et à tous une très très bonne baise.
Et on est parti tout de suite pour l'horoscope de nos amis les Verseaux. Et c'est parti pour le Verseau cette semaine. À part dans 4 jours, c'est plutôt une bonne semaine. On rappelle que le Verseau préfère communiquer avec des gens qui ont le même état d'esprit que lui. Est-ce que cela veut dire qu'il s'entoure que de gens qui sont d'accord avec eux ? Si jamais c'est le cas, c'est un peu cringe, mais bref. Allez, aujourd'hui, Mercure est en trigone avec Pluton dans votre ciel astral. Et niveau vie amoureuse pour mes amis les Verseaux, vous avez envie de consacrer votre journée et votre soirée à votre partenaire, de vivre vos sentiments pleinement. Cela promet une belle journée, surtout si votre conjoint ou conjointe est dans le même état d'esprit ou tout simplement si les réalités de la vie quotidienne lui en laissent le temps. Alors essayez de vous retrouver à deux, mais pour un court moment, c'est le bon jour pour les célibataires de jouer de leur séduction avec finesse. Vous devriez briller dans les échanges aujourd'hui. Waouh, dis donc, et niveau vie professionnelle, pour mes amis les Verseaux, c'est décidément la journée pour mettre en avant vos qualités et vos compétences. Les autres vont remarquer que l'on peut faire confiance à votre rigueur et à votre esprit d'analyse. Les dossiers avancent et vous savez adopter les bonnes stratégies pour tous vos projets professionnels et pour vos différentes activités. Une belle journée. Et niveau finance, la configuration planétaire est favorable. Alors si on y ajoute votre sens de l'analyse et votre acuité, vous pouvez vous lancer dans des opérations comptables qui devraient s'avérer fructueuses. Songez à une assurance vie, à un plan d'épargne logement, etc. En tout cas, occupez-vous de votre argent qui dort si vous avez la chance d'en avoir et qui ne vous rapporte rien. Et ouais, il faut faire fructifier Allez, et niveau bien-être, à force d'être sur tous les fronts, vous allez ressentir une certaine nervosité, voire du stress. Vous avez sans doute présumé vos forces, alors écoutez les signes de votre corps, fatigue, tension, maux de tête, et trouvez une activité pour vous défouler. Allez courir, ou rentrer du travail à pied peut-être ? Surtout si jamais vous habitez dans une ville voisine, genre Saint-Étienne ou Lyon, comme ça vous mettez bien 5 jours à rentrer. Et niveau famille, entourage, amis Verseaux, ce mardi, vous avez peut-être tout donné à l'extérieur et pourtant vous parviendrez à rester très disponible pour vos proches. Pour certains, leur entourage aura envie de se lancer dans de grandes discussions. Effectivement, les planètes indiquent un climat particulièrement favorable aux échanges de fonds. Alors n'hésitez pas à discuter de choses importantes. Et pour terminer cette horoscope de nos amis les Verseaux, dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. Vous avez entendu les dépressifs du chat? Maniez-vous le cul, Stélia, au secours. Et nous venons d'assister au premier signe astral du jour, bien sûr. Le dicton coaching était exceptionnel. Il suffit de ne pas être triste quand on est triste, bravo. Et aujourd'hui, on est le mardi 4 juin, à vos horloges s'affiche midi 21, je souhaite un bon appétit à toutes celles et ceux qui sont en train de manger. Et nous passons au deuxième signe du jour, le dernier déjà signe du jour, c'est nos amis les Sagittaires, et on est parti. Et pour les hommes chevaux, aujourd'hui, comment ça se profile? Ah punaise, la semaine du Sagittaire, on dirait un petit peu une maladie mentale, et oui, de type bipolarité. On est vraiment sûr, aujourd'hui ça va bien, demain ça ira pas, après-demain ça ira, après-après-demain ça ira pas. Oh, au secours, Owen, courage. Courage, courage, Owen. On rappelle que le Sagittaire aime la simplicité et cherche sans cesse comment rendre les situations meilleures. Et bravo à tous les hommes chevaux, bien sûr, du chat. Et votre anus est en harmonique avec vous, les Sagittaires. Ce qui veut dire que, au final, niveau vie amoureuse, les Sagittaires amoureux risquent de connaître une période de changement sous les influx de cette harmonique de votre anus. Cela peut stimuler les uns et déstabiliser les autres. Préparez-vous à quelques surprises venant de vos conjoints. Je touche mes dents pour vérifier qu'elles sont là. Oui, vérifie. Vérifie, vérifie. Ou alors un vent de liberté pourrait bien souffler, ce qui peut, contre toute attente, donner un nouveau souffle à votre couple. Les célibataires pourraient, eux, avoir une occasion de vivre une belle aventure. Le vent est plutôt léger. Et niveau vie professionnelle, si vous désirez quitter votre routine professionnelle, le contexte planétaire est à vos côtés. On innove dans votre secteur, ou alors vous êtes vous-même un acteur de ce changement. Les natifs qui n'aiment pas ces périodes de changement devront s'adapter. Pas de panique, tout devrait bien se passer. Vous allez même y gagner. Bah dis donc, alors ça y gagne. Pff, bah dis donc. Dinguerie. Et niveau finance, pour mes amis, les hommes chevaux,
Votre anus annonce du changement des mouvements, les résultats de vos cogitations peut-être, si vous avez pris la peine de réfléchir à vos finances. Alors, bonne ou moins bonne nouvelle pour votre budget, la réponse se trouve dans les dispositions que vous avez su prendre auparavant. Quoi qu'il en soit, le secteur est plutôt protégé. Et j'enchaîne, niveau bien-être. Vous vous sentez pour la plupart en forme ce mardi, mais un besoin de renouveau ou de régénération vous tente peut-être. Des méthodes inexplorées pour certains comme la méditation, une nouvelle activité ou encore un massage original pourraient vous attirer ? Eh bien allez-y, pensez aussi aux nouveaux produits de beauté innovants. Et enfin niveau famille et entourage, pour mes amis les hommes chevaux, aujourd'hui on bouleverse les habitudes et on n'a pas peur du changement, en famille ou avec des amis non plus. Si vous êtes vraiment convaincu, votre entourage devrait apprécier que vous leur fassiez partager vos nouvelles passions et activités. Respectez cependant ceux qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Et le dicton coaching du Sagittaire du jour pour terminer cet horoscope, les réflexions qui descendent dans le cœur. Oh là là, mon Dieu. Oh, les débuts de la phrase me tuent, ok. Les réflexions qui descendent dans le cœur mènent plus loin que celles qui vont au bout du monde. Et c'est exceptionnel. Bravo pour ce dicton. Bravo pour ce dicton, Carole, on l'avait jamais entendu. Claire, au secours, et nous venons d'assister à la semaine qui paraît un peu compliquée pour mes amis les Sagittaires. Heureusement que demain, je suis là toute la journée pour vous. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous vous sentez mal demain, venez sur le stream, on rigolera bien, on partagera une tarte d'amour finalement, parce que évidemment que je ne peux pas vous donner de la tarte, vous comprenez ? Voilà. Eh, c'est de la tarte ou quoi ? Allez, nous venons d'assister au dernier horoscope de cette journée avec le pire dicton du jour, hein, officiel, celui des Sagittaires, c'est bien. Et pourtant les Sagittaires, hein, et les Verseaux qui avaient plutôt une bonne journée aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être pour les derniers, aka les Béliers ? Et aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juin, c'est la Sainte Clotilde. Aujourd'hui le soleil se couche à 21h50, nous avons gagné une minute d'ensoleillement. La phase de la lune, c'est le dernier croissant, et sur le podium du jour nous retrouvions les Verseaux en première position, suivi des Taureaux en deuxième et des Lions en troisième. L'affinité du jour se jouait entre les Verseaux et les Taureaux. Je vous remercie d'avoir assisté à cet horoscope et je vous souhaite un très bon courage pour une fin d'horoscope exceptionnelle, bien sûr. Bravo, merci. Merci. Expédié. Expédié. Mais, massage original. Ouais, non, mais le cul, hein. Elle parle tout le temps de cul, hein. Carole, Carole, encore une fois, tu nous as dit notre avenir. Elle parle de cul. Les bzèzes. Le zizi. Ah. Le pipou. Et on se demande parfois si c'est pas du grand n'importe quoi. Allez, fini l'horoscope, fini les blagues. On va vivre nos vies sans ce truc de passage. Carole et son lien, au revoir, on préfère rire de nos histoires. C'est bien mieux comme espoir. Courage, Joël. Les planètes ont tout donné pour qu'on se donne le temps d'expérimenter. Ma vie m'appartient.
mes choix me concernent. Pas question que d'arrêt, décide ma journée. Oh, 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 Carole. Et bravo. Bravo d'avoir assisté, bien sûr, à cet horoscope. Bravo. Bravo à toutes et tous. Et on est reparti pour Animal Crossing, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Voilà. Voilà la vérité. Et oui. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Merci Peppa pour cette magnifique transition. Heureusement que Peppa est là, hein. Elle nous fait des transitions délicieuses. Ok, nous étions donc sur le point d'animer la marche de ce fabuleux bélier au moment où Owen est arrivé. Si c'est pas un signe du destin, bien sûr, c'est ce que dirait sans aucun doute notre pote Karen. Carole. Karen. K. C'est moi ! Oui, c'est toi. Superbe. Bon, et du coup, alors, on va faire comme ça. Vous voyez, on va suivre un petit peu hein, ce qu'on a déjà fait par là. On n'a pas besoin hein, de réinventer la roue. On n'a pas besoin. Voilà. Ça, c'est pour vous. C'est pour tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Voilà. On peut faire ça, vous voyez. On va zoomer. On va zoomer. Et on va prendre ceci. On va faire ça. Superbe. Superbe. Clac. Voilà. Et donc là, ça fait ça. Vous voyez ? C'est quasiment pas... Vous le voyez quasiment pas. Mais en fait, ça fait un jbouic-bouic. Mais putain ! Mais c'est la deuxième personne qui me dit qu'elle comprend rien à ce que je fais. Ok, deuxième explication, mais en mode Fast and Furious. Si jamais tu voulais une explication plus complète, il faudrait regarder la VOD. J'expliquais vite fait ce que j'étais en train de faire. En fait, les courbes d'animation que tu vois là... C'est juste sur un axe, le mouvement de quelque chose. Voilà. Et du coup, si jamais tu fais en sorte que ce soit tout lisse et tout stylé, bah en fait, ça va faire un truc stylé. Voilà. C'est des mathématiques. En fait, c'est juste des mathématiques. Voilà. Explication rapide, c'est bon. Fait. Voilà. Et du coup, là, c'est ma timeline. Donc, c'est le nombre de secondes. Là, c'est 1 seconde 30, par exemple. Et dans ces 1 seconde 30, on a deux fois où le petit bélier, il fait « wish wish ». Et du coup, on va calculer à peu près ce que sont censés faire ses petits cheveux à ce petit mouton. Tu vois, par exemple, elle est censée faire ça, là, voilà. Et puis ça dans l'autre sens, hop, hop, tu vois. Et puis, hop, ça dans l'autre sens, voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre. On est parti, hop. Ouf. Pour que tout bouge en fait, pour qu'il y ait des retards un peu partout, ce soit rigolo, tu vois. Trop bien. Mais oui, trop bien. L'animation, c'est trop bien. Les gens se rendent pas compte. Ils me disent, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, je vous jure, c'est pas compliqué. À partir du moment où t'as les connaissances de la base de l'animation, c'est bon, t'as tout gagné. C'est déjà fini. Genre, c'est trop bien l'animation. J'adore, mais j'ai pas le temps. Bah ouais, je comprends. Moi, je trouve que c'est tellement bien. J'adore. Je vois trop les animations quand elles sont trop stylées, là. Je les vois, les animations trop stylées. Hop, un peu de retard, là, comme ça. Hop. Wish. Wish. Trop mignon, les petits bébés. Ok. Et ensuite, paf, le dernier. On va, paf, faire comme ça. Paf. Vite, hein, si je suis insupportable. Je vous écouterai pas, hein, mais au moins je le saurai. Et du coup, hop, fais la même chose pour celui-ci, vous voyez. Et hop, et voilà. Et on a déjà terminé notre petit mouton. Je vais réessayer de rig un modèle dans la semaine, priez pour moi. Mais fais-le sur Unity, mec. J'ai envie de pisser, mais va pisser, bordel de merde. Moi, j'aurais adoré que les gens qui ont un problème avec la pisse... Ils aient fait scientifique comme étude. Vous avez besoin de pisser. C'est bon, tout le monde pisse. Tout le monde. Tout le monde pisse. D'accord ? Tout le monde. C'est bon ? Est-ce que ça... C'est bon ?
Bon. Obligé de le faire sur Live 2D pour pouvoir importer dans VTube Studio. Ah, bon, ça va le faire. C'est le même principe pour tout, hein. Tu sais, c'est le même principe pour tous les logiciels. C'est ça qui aide bien aussi. C'est que c'est le même principe pour tout. Et du coup, comme c'est le même principe pour tout, à partir du moment où t'as compris les principes de l'animation même, c'est bon. Tu peux faire sur tous les logiciels. Tout marche. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est trop bien. Ah, voyez. Alors, ouch. Du coup, là, il faut remettre... comme ça. Hop. On va copier ici. On va remettre là. Paf ! Contrôle V. Et là, bim bam boum, et ça fait bim bam boum, et ça fait pchit, et ça fait vroom. Dans ma tête, qu'il y a tout qui tourne. Ça tourne et tout. Oui, ça va. C'est dans les mèches et les axes. Oui. Faut juste bien faire petit à petit. Être un peu méthodique, c'est-à-dire que au lieu de tout faire à la fois, là, bah, tu prends le temps de regarder chaque courbe et tout. Et tant qu'une courbe, elle a une bonne gueule, je te garantis que ton animation, elle sera jolie. Voilà, c'est tout con, en fait. C'est tout con. Genre, voilà. Voilà la balance. On pourrait même faire en sorte que la rouge avance avant la verte. Donc la rouge, elle est où? Elle est là. Je veux que l'autre, elle soit un tout petit peu décalée dans le temps. Je vais prendre les points d'animation. Hop, faire comme ça. Et intensifier le retard de ce côté-là. Même faire ça, on pourrait... Hop, paf, voilà. Et voilà, et ça a un tout petit peu décalé les animations, c'est fait. Voilà. Merde. Putain, merde. Il y a quand même la petite mèche de cheveux que je veux animer. Comme eux-mêmes. On n'est pas des sauvages. Donc là, on va faire en sorte que ce soit... Hop, ici. Oui. Ici. Oui. Ici. Oui. Ici. Oui. Et là, on va juste regarder... Quelle gueule. Paf. Ah, ça courbe. Quelle courbe. On va faire ça. Voilà. Ouf. Et ça, on va baisser un tout petit peu. On va supprimer ça. Et on va faire ça comme ça. Pif, paf, pouf. Et voilà. Terminado. Terminado, les balances. Balance. Ok. C'est fait. Du coup, j'enlève les balances. Paf. Boum. On part sur les scorpions. Et les scorpions, c'est toujours un petit peu délicat. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est de regarder un peu ce qu'on peut faire pour les scorpions. Pour éviter que ça bouge trop. Parce qu'en fait, eux, ils ont vraiment beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. Et du coup, faut faire attention à ce que ça bouge pas trop. Donc allons-y. Là. Tac. Bam. On va resélectionner ça. Et là, vous voyez, en fait, c'est tout un truc, hein, pour les scorpions. Voilà. Et après, c'est la même chose de l'autre côté. Ok. Pareil pour... pif, paf, pouf. Alors, vous voyez, là, le problème, c'est qu'il y a à chaque fois 4 curves quasiment. Donc, c'est un peu chiant. C'est pas grave. En fait, on va essayer de faire une belle animation pour la première. Et ensuite, on va copier et coller les clés d'anime. Du coup, on va supprimer celui-ci comme d'hab. On va redescendre ça. Comme ça. Mettre ça sur le dernier truc. Voilà. Descendre ça comme ça. Et donc là, on va le mettre d'abord dans ce sens-là. Pour celle-ci. Voilà. Hop.
Y'a un gros dégueulasse qui a pas tiré la chasse et pas baissé la cuvette. Ah bah classic shit. Hein. Malheureusement classic shit mamie. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller, on va arriver ici, on va coller. Voilà. Donc là vous voyez ils se sont mis en haut. Ce qui est pas forcément, ça nous arrange pas. Donc on va se mettre comme ça. Voilà. On voit que ça fait exactement la même dynamique. Et maintenant, on va mettre à plat toutes les curves qui sont là. Tac. Voilà. Heureusement, mon mec pisse pas assis. Je pourrais pas sinon. Je pourrais pas pisser assis. Voilà. Et ensuite, on va venir ici faire précisément la même chose. Donc, on resélectionne les potes là. On supprime. On revient ici. On colle. Et on va les descendre encore plus que celles auparavant. Hop. Voilà. Donc, par exemple, ça va donner ça. Et vous voyez, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout hop, faire ça. Excusez-moi, je reviens dans moins de 5 minutes. Ma chienne a gerbé dans mon bureau. J'arrive. Hein. C'est rien, hein. J'arrive. Hein. Ah mais vas-y, hein, fais-le si tu veux, Owen. Fais-toi plaise. Hein. Fais-toi plaise. J'arrive, hein. What an enfer, Jean-Mi. C'est bon, j'ai nettoyé. Tout va bien. Je me suis lavé les mains, là. Oh là là. Ok. Donc, c'est pas mal. Je jure. Hein. Quel enfer, ces chiens. On va faire attention à ce que ce soit bien proportionnel. Donc, moi, je vais les mettre pile là où vous voyez. Il y a une ligne ici. C'est le zéro, en fait. On va faire pareil pour l'autre. Allez, parti. Donc on va sélectionner tout ça, paf, et on va faire ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On voit que c'est pas mal, hein. Donc on va reprendre ça. Vous voyez là, elle est là. C'est ça qui est un peu rigolo, c'est qu'elle est complètement en saxe. Et en même temps, si jamais je la mets à zéro, vous voyez, elle pue un peu la merde, donc non. On va pas faire ça.
Ok, très bien. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir copier directement la première qui est là. Vous voyez ? Et là, pour le coup, on pourra aller directement ici. Hein. Paf, boum. Ici, faire un petit contrôle supre. Faire ça et redescendre. Redescendre simplement ça ici. Voilà. En fait, il suffit de mettre un chiffre négatif à celui qu'on a déjà fait. C'est de la symétrie, en fait, hein, tout simplement. Hop. On te ramène du KFC. Bravo. 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 Contrôle C. Et là, le deuxième. Tac. On supprime ça. Et contrôle V. Et là, je pense qu'il va falloir peut-être décaler un tout petit peu celle d'en dessous, mais pour l'instant, n'y pensons pas. Pour l'instant, n'y pensons pas, prenons juste le troisième, copions-le et mettons-le sur le dernier. Paf. Alors là, on voit que, effectivement, quand on est au max, de là, ici, là, moi je le vois bien. Fait. Comme ça. Et là, on voit qu'en dessous, ça marchera pas. Donc, on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est aussi, voyez, là, on voit que ici, c'est censé être le plus à gauche possible. Et là, le plus à droite. On voit que c'est un peu cassé, hein, voyez, ici, là. Donc peut-être reprendre celui-ci et le scale-up. Voilà. Et là, on comprend pas pourquoi, mais ici, c'est aussi bloqué. Parce que ici, c'est pas assez penché. Voilà. Ok. Donc notre pote là, elle est pas mal. On voit qu'elle est pas mal. Il y a du retard dans ce qui, dans ses cheveux et tout. Juste, c'est un peu trop éloigné pour ce point-là. Donc par exemple, lui, il est toujours un peu trop là. Vous voyez ? Et du coup, on va devoir, hop, faire ça. Voilà. Et du coup, ça le rapproche un petit peu, vous voyez ? Pour qu'il soit vraiment comme ça. Donc pareil pour celui-ci, hein, il est un petit peu trop sur l'extérieur. On voit que même quand il est censé être à l'intérieur, il est droit. Donc ça nous plaît pas forcément. On va le rééloigner. On va le mettre comme ça. Voilà. Et là, théoriquement, il est censé avoir des cheveux un petit peu plus qui viennent vers elle, en fait. Vers, je dis elle, mais les personnages sont non-genrés, bien sûr. Ils ont des attributs plus ou moins masculins et féminins, mais ils sont non-genrés. Ok. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on bouge ça ? Vous voyez ? Est-ce que je bouge ça ? Je pense pas, parce que je les ai fait exprès pour qu'ils restent immobiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le dard qu'il y a derrière. On va bouger le dard. C'est parti, on va prendre en référence le bout du bout. Non, d'abord, on va prendre en référence les premiers. Ils sont tous non-binaires, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ça, c'est le Sagittaire. Putain. Putain. Où est-ce que je mets mes trucs, là? Là, voilà. Okay. Ouais, désolé, hein, je dis souvent le P-World, on va dire. Le P-World. Enfin, le putain world, quoi. Désolé, j'ai pas déconstruit ça. Je sais que c'est problématique, mais j'ai du mal. Et j'ai vraiment du mal, du mal, du mal, du mal. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à enlever ça de mon langage. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire comme si ça n'existait pas. Et puis, à un moment, j'arriverai à m'en débarrasser, d'accord ? Allez. Voilà. Who cares ? Oui, voilà. C'est ça. C'est que bon. Je sais que c'est chiant, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà.
Il y aura besoin d'un peu plus de temps pour que je m'en débarrasse. Ok, Common Head. Alors, c'est le Common Head. Ouais, c'est ça en fait. Mon truc à moi, hein, c'est le Common Head. Et du coup, puis un peu le Sum, parce que ça. Voilà. Et là, c'est censé être comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Non, voilà, non. Voilà. Voilà, vers le bas. Voilà. Ok, déjà, c'est pas mal. Ensuite, deuxième. Voilà. J'adore ton dernier mot, c'est vraiment « voilà ». Voilà. Comme la vidéo de Chrono, Big Front et Roue Libre. Voilà. J'enterre ta grand-mère. Non, Doudouce, laisse-moi tranquille maintenant, putain. Et tu viens dans mon bureau et puis tu gerbes, là. Tu vomis. Et va ou pas, n'y va. Bah oui, ma fille, oui. Oui, c'est dur. Une popular opinion, si on devait arrêter de dire tous les trucs qui étaient problématiques il y a 2 siècles, mais qui ont plus du tout cette connotation, on s'en sortirait pas. Mais on est d'accord, hein. On est d'accord. Hein. C'est juste impossible. Hein. Enfin, je suis désolée, mais c'est trop rentré dans mon langage courant. Et en plus, je pense pas du tout à... Enfin, je veux dire, c'est aussi nier le fait que la langue, elle évolue et que les mots prennent un autre sens, tu vois. Ensuite, je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on dit sur des mots qui ont plus la même signification qu'avant et qui maintenant sont connotés d'une façon hyper négative ou utilisés par les extrêmes, sous-entendus extrême droite, pour faire du mal aux autres, tu vois. Moi, c'est plus comme ça que je réfléchis, tu vois. C'est juste, j'essaye de déconstruire et tout, mais j'y arrive pas. Bon. Pas sur ça. C'était tellement interdit dans ma famille de dire ce genre de mots que pour moi ça a été une libération de pouvoir les dire. Et pour moi c'est lié à une certaine libération de pouvoir dire des gros mots, quoi. C'est trop bizarre, mais j'ai pas réussi à détacher ça. Oui, alors que les gens meurent littéralement. Non mais oui, on est d'accord, c'est de la pureté militante. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je trouve que faire semblant que les gens mourraient pas à côté, c'est un peu nul. Oui, voilà, les priorités sont... On est d'accord là-dessus. Yann, moi, cette petite vierge, là, elle me tue. Tu sais que la vierge, elle a vraiment été... Je l'ai vraiment faite de manière à ce qu'elle soit... comme ça. Genre, elle fait littéralement Allô, oui, c'est le fils de Greg. Ah ouais, 59 déjà. Vive les chaos-batwitchtescam pour le follow. Merci pour le follow, bien sûr. Anyways, le génocide. Ouais, non mais vraiment c'est vraiment... En fait, c'est ça. Tu sais quoi? Je crois que c'est ça qui m'a aussi un petit peu éloignée de ce... C'est quoi ce bot? Ben en fait, tous les jours, il vient sur les streams de tout le monde pour faire ça. Donc, c'est un peu devenu un classique. J'ai envie de dire, c'est un peu un classique. Mais je crois que franchement, Owen, c'est peut-être ça qui m'a un peu éloignée aussi du... Passé un temps, en fait, j'étais vraiment dans un milieu qui était militant, tu vois. Pas forcément militant officiel, mais tu sais, un milieu qui était très mixte socialement. Et où, voilà, chacun avait ses combats, etc. Et ça m'a... Enfin, en fait, c'était super intéressant et tout. Et je sais que ça a été important, tu vois, pendant longtemps pour moi. Et pourtant, cet aspect-là, précisément du langage, etc., c'est peut-être ce qui m'a... En fait, ça m'a fait peur.
Je crois que je... Ouais, c'est ça, les gens aiment trop le drama, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les gens aiment le drama comme ça. Tu vois, j'en ai pas la moindre idée, quoi. Et je comprends hein, que on veut à tout prix être safe dans notre sphère amicale et tout. Et il y a aucun souci à ça, et je comprends parfaitement, tu vois. Mais en parallèle, je trouve que du coup, ça bloque une partie de... Tu sais, c'est un peu comme de la censure, en fait. Ça marche comme de la censure dans ce milieu-là, tu vois. Je sais pas si jamais je me fais bien comprendre, parce que je veux pas non plus dire que... tu sais, il y a une censure, gna gna ni, gna gna gna, sur les termes et tout, pas du tout, tu vois. C'est juste que quand t'as un pote ou une pote qui est clairement de ton côté et qui... Clairement, tu vois, il veut comprendre, il veut qu'on lui explique, il veut que, tu vois, il va faire avancer les choses, il le veut, tu vois. Le reprendre toutes les deux minutes, et c'était pas forcément moi en plus qui était reprise ou quoi, mais je trouve que vraiment c'est de l'élitisme de fou, quoi. Et ça rend fou un peu. Ça rend un peu fou. Genre, moi, ça j'étais en mode, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi... Tu sais bien que les intentions de cette personne, elles sont bonnes, alors pourquoi tu lui prêtes des intentions qui sont potentiellement mauvaises, tu vois? Genre, ça sert à rien, en fait. On dirait qu'on veut absolument faire un exemple ou quoi, et je sais pas, je trouve que c'est beaucoup d'ego aussi, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Et cancel, alors faut s'unir, bah ouais, c'est ça. Ah putain, mais t'as dit que c'était une question d'ego. Incroyable! Je peux même pas name drop ici, ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un que tu connais, ça m'a dégoûté. Le P-word. Ah oui. Bah, je crois que... Oui. 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 On en discutera à l'occasion. Et effectivement, ouais. Et je trouve ça hyper dommage, quoi, parce que du coup, bah... C'est... En plus, putain, c'est souvent que c'est des personnes aussi qui se prêtent des combats qu'ils ont pas, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je trouve que c'est plus intéressant de donner la parole aux personnes racisées et aux personnes qui sont en dehors de la société plutôt que de je sais pas d'avoir ce combat et d'en faire le sien alors qu'on n'est pas concerné par la cause quoi. Bref. faudra qu'on en discute même à l'occasion. Mais ouais. Allô, oui, c'est le film. Ah de ouais, Greg. 24, 24, vive le toi, vive merci le chaos Twitch cam. 24 bat Twitch Tescam pour le follow. Incroyable. C'est bien de défendre, mais c'est pas à toi de police qui est légitime ou pas. Bah oui, c'est ça, et puis t'as pas cette autorité-là, en fait. Je crois qu'il y a aussi une question de... Tu te prends pour qui, en fait. Tu vois. Tu te prends pour qui? En fait, moi, c'est un peu ce que je me disais à l'époque. C'est tu te prends pour qui, quoi. Genre, en fait... je sais pas, ça m'énerve des fois. Ça m'énerve. Et pourtant, tu vois, je pense que c'est une bonne chose que ça m'énerve autant. Parce que si jamais... Enfin, quand on parle d'un mascu, tu vois, j'en ai rien à foutre de le convaincre. Je m'en fous. En fait, il a son avis, je suis en mode, bon, bah, c'est pas légitime. Mais he's okay, tu vois. Mais quand il s'agit d'une personne avec... Enfin... De qui j'ai l'estime, je suis en mode, non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Juste non, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on est quand même responsable de nos actes, finalement, quoi. Et ça y revient un peu. Ça y revient un peu. Je vais faire une animation, quand même, de petits clignements d'œil. Ça serait bien, quand même. On va faire une petite animation de clignement d'œil. Effectivement, on en discutera à l'occasion, Owen. Je pense que c'est intéressant, surtout, d'avoir cette conversation-là. C'est en fait... Moi, c'est... J'ai tendance à vraiment pas comprendre certaines choses. Wow!
Et on va copier, voyez. Tac, un clignement d'œil, hop. T'en mets un juste là. Quand tu veux. Je suis bien le gros chômeur à The Moment. J'ai tout le temps du monde. Ouais, je comprends. Ouais, moi aussi, je suis à... Bah, j'ai pas mal... Je dis j'ai pas mal de temps, mais en vrai, je suis un sup. Je suis un sup pour beaucoup de raisons. Parce que, en gros... Attends. On va add key ici. On va add key ici. En gros, j'ai pas giga du temps non plus parce que je fais que bosser et c'est une bonne chose, hein. Parce que moi, ça me fait du bien. Mais par contre, bon, voilà. Ah merde, putain, mais j'ai mis sur Command Mouth à chaque fois. Oh là là, la con. La con. La con du cul. Attendez. Je suis choquée. La position. Non mais sa position, j'en ai rien à foutre. Et sa couleur, j'en ai rien à foutre non plus. Comment on fait? How do you do? Ouais, c'est ça. J'ai 30 trucs à faire et je les fais pas, du coup j'ai du temps. Ah oui, voilà, c'est bon, on est d'accord. Ok, on est d'accord là-dessus. Ok, c'est bon, ça me rassure. Putain, je te jure. Je te jure. Et ouais, on en discutera à l'occasion, Oena. On en discutera. En fait, je trouve ça intéressant d'avoir des débats d'idées, et puis surtout des débats qui sont nuancés, tu vois. On a souvent eu des débats sur cette chaîne Twitch, et je trouve ça vraiment important, quoi. Parce que souvent, les gens qui sont les plus virulents, c'est ceux qui ont le plus l'impression d'être muselés ou d'avoir quelque chose à prouver, etc. Et en fait, même pour des personnes qui sont concernées, genre je sais à peu près de quoi je parle, c'est jamais autant le cas que ça, quoi. Les gens qui ont fait la paix avec leur passé et tout, ils ont une manière d'aborder les choses qui est bien plus posée, bien plus calme, et bien plus raisonnée, surtout. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Voilà. Oui, tant que ça reste poli, bien sûr. Ah, attends, what the fuck? Non. T'es malade ou quoi? La réflexion, t'es malade ou quoi? You know the... C'est trop chiant. Pardon, je me tais. Pardon. Mais effectivement, tant que ça reste poli, bien sûr. Oui, bien vu. Putain, j'en peux plus, je te jure. Oh là là, quelle est chiante celle-ci, hein. Regardez. Regardez-moi cette petite polissonne, la chippie, là. La chippie, hein. Oh, la chippie, hein. J'adore. Narc, comme ça. Ça, c'est Jojo quand il reviendra sur le, le stream, ça. Ok, on rend visible tout le monde. Oh, le bordel. Ok. Et ensuite, on va pouvoir faire une build. Je vais pouvoir refaire une build, les enfants. Elle va me voler mon goûter. Ah bah oui, c'est pas une vierge pour rien. Pardon. C'est le fait de sortir des petites dingueries, là, comme ça, ça me fait du bien. Ok, build settings. Donc, on va aller dans l'Odin Validator. Et évidemment, voilà, il n'y a rien à valider, parce que je sais pas pourquoi, mais voilà. Et dans les trucs... Allô ? C'est pas une vierge pour rien. Non, mais c'est... Je veux dire, c'est rigolo, parce que... Je vais expliquer la blague. Mais on voit des vierges... Par là, j'entends le classique femme hétérosexuelle jeune... qui n'a jamais eu de relation, comme le truc le plus pur du monde. Et je trouve que c'est extrêmement sexiste comme vision du monde. Et du coup, bref, voilà. Je sais pas si jamais ça s'est bien compris ma blague, mais c'était pas. Voilà, bref. Allez. Du coup, c'est bon. On va build. Et on va faire update animation walk réel.
au top. Je sélectionne ça. On save. On save. Merde, j'ai fait des changements dans le main. Je sais pas. Vous voyez comment vous êtes là? Vous êtes bizarre là dans votre anime. Bah, croyez-moi que je vais build quelque chose. Elle fait un peu enfant, donc j'allais pas dire elle va me voler mon gland par exemple. Quel enfer! Quel enfer! Au secours! Ah, je te jure, putain. Bon, allez, je vous ferme. Hop, fermez la fenêtre. Vous êtes plus là. Vous êtes plus là. Mais, rassurez-vous, je relance Astrobot. Fait par Unity. Tout de suite devant vos yeux. Ébahi. Ah non, mais t'inquiète. Hein. Ok, hein. Ils ok, t'inquiète. Il va dire bonjour. Non, elle m'a fermé! C'est bon. Je t'ai rouvert. Voilà. Et là? Alors. Là, vous avez vos petites animes. Regardez-moi ce petit Vitex. That's what she said. Oh, dis, si. Qu'il arrête jamais. Regardez la petite flèche qui fait ça, ça me fait trop rire. Et les petits bling bling. Ah, j'adore. Kawaii. J'adore. Ouais, peut-être que je fasse un cycle de marche un peu plus tranquille, mais pour l'instant, ça me fait rire le fait que vous soyez tous en train de faire ouh, comme ça. Sont trop contents, regardez-les. Trop contents. Bon, voilà. C'est à peu près tout pour l'anime d'aujourd'hui. On va pas faire de texture ce matin. Je suis petit moutal. Bing, bing, oui. On va pas faire de texture ce matin, peut-être cet après-midi, je sais pas encore, je pense pas. Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui il fait beau et j'ai envie de faire du vélo, les enfants. Voilà, j'ai envie de faire du vélo. Sortez au grand air, là. Aime-toi, là, en fauteuil. Tu sors et puis tu fais... Comme ça. À part si jamais... tu... T'es dans une ville de merde et du coup quand tu sors, tu sens plutôt la pollution. Moi j'ai ce privilège-là de pouvoir sortir et de me dire « Ah, ceste la nature !» Moi je suis là comme « Oh il fait super froid, qui me dit ? Oh non, c'est une honte !» Non, non, toutes les excuses mais pas celle-ci. SpongeBob des cavernes. Un jour je vais mettre un gif de ça. Hein. Vous voyez ? Ça, c'est moi quand je sors de chez moi. Oh, l'air frais. Ça va, en vrai, c'est pas ouf, mais il y a pire. Trop mood, mais je te jure que ça, là, c'est trop mon mood, des fois. Tu vois, la nature. Et je suis là, l'herbe. Herbe. Genre, stop it. Fetch some grass. C'est... Wow, il y a tout qui tombe de mon bureau. What the fuck, bro? Vous savez qu'hier, j'ai été malade. Alors, attendez. Juste, je vais dire au revoir à YouTube. Parce que YouTube est toujours... Ça va, YouTube? Au revoir, YouTube. Salut.